magnifique journée aujourd'hui. On s'en va explorer la Comuna 13. Yeah! La ville de Medellín est divisée en 16 districts, communément appelés des communas. La Comuna 13 et la Graffiti Tour se retrouvent dans les top recommandations de TripAdvisor sur Internet. Tout au long des années 80 et 90, la Comuna 13 était considérée comme l'un des quartiers les plus dangereux au monde. Il était dirigé par des organisations violentes de trafic de drogue qui utilisaient le quartier pauvre à flanc de colline comme voie de transit vers et depuis la ville. Il servait de bastion pour les guérillos, les gangs et les paramilitaires. En 2002, le président a lancé l'opération Orion, un raid sur Comuna 13 mené par 3000 soldats, soutenu par 2 hélicoptères. Ce fut un début brutal et encore controversé à ce jour. Les 100 000 habitants du quartier ont été pris en 2 feux, entraînant des arrestations, des disparitions, des morts et des centaines de blessés. Au cours de la décennie suivante, le gouvernement entreprit d'améliorer la commune. Ils ont construit des centres communautaires, mais l'accès restait un problème. If you want, you can sit here. We have to present you as well. So this is our guide for today, Sebastian. He agreed to have us visit his Comuna 13. Come to this place, to this magic place, especially Comuna 13 Medellin. And in Colombia, actually, there are a lot of things to see and to discover. So in a moment, I'm going to show you some of these amazing spots, some of these graffitis, and some actually the culture of the Colombian people, especially Medellin. So you're going to love it. C'est en 2011 que le gouvernement a installé les escaliers mécaniques. Des escaliers extérieurs reliant des parties du quartier autrefois chaotiques et isolées, les escaliers mécaniques ont donné aux habitants une nouvelle liberté et ont provoqué un changement total des mentalités locales. Voici donc la nouvelle Comuna 13. Ses habitants en sont tellement fiers. Call them buñuelos. In this moment, this spot is a bakery. I will invite my friends to this one that we call them buñuelos. It's something typical actually in Colombia. Definitely it's not healthy, but you're gonna love it. Inside actually it's like a fry bowl with mozzarella cheese. Guys, with breakfast, with some coffee and eggs are perfect. So I recommend you. Semblait un peu un timbit, mais c'est plus comme un pain. Vraiment bon. Il nous expliquait que cette murale-là, c'était une de ses préférées parce que ça représente, premièrement, les 3 oiseaux représentent les couleurs du drapeau de la Colombie. Puis ils sont à l'extérieur de leur cage. Puis l'oiseau jaune, il y a la clé. Donc ça représente changer l'état d'esprit, changer la mentalité, ouvrir notre esprit à que la Colombie, c'est pas juste pour la drogue, c'est pas juste ça. Il y a plus que ça, fait qu'il faut ouvrir notre esprit. C'est la maison à un de ses amis. Puis ce qui expliquait qu'il y a des gens qui adorent Pablo, puis il y en a d'autres qui le détestent. Ici, clairement, ils l'aiment. Mais probablement parce qu'ils se sont fait donner cette maison-là par Pablo. Ouais, il a construit des quartiers complets, des terrains de soccer, des écoles, puis il a donné beaucoup de maisons à des gens. Donc c'est sûr que ces gens-là qui ont bénéficié de biens matériels venant de lui vont l'aimer, puis vont parler en bien de lui. Mais qu'il y a les deux côtés. The entry is totally free, but it won't support it with some tips after the experience, up to you. Okay? Then you guys, enjoy! Crazy! Wow! Thank you so much! On met des lunettes 3D pour mieux voir l'or. Escaliers roulants comme ça qui montent jusqu'en haut. La construction a été terminée en 2012.
C'est super important pour la communauté parce que ça permet aux gens qui sont en haut d'aller travailler en bas. Ça a été bâti pour les locaux, donc ça leur permet d'être mobiles. Ça a pris 2 ans à les bâtir. Il y a quelques pays dans le monde qui ont ça dans la communauté. Cette murale, c'est la plus significative que Sébastien nous expliquait. Je vais dire un peu ce que ça explique. C'est la main. Vous voyez le début de la manche, c'est les gorillas. La main représente le gouvernement. Puis, vous voyez les dés. En 2002, il y a eu une opération pour démanteler le réseau de trafic de drogue et tout. Puis, il y avait 2 hélicoptères, il y avait un tank. Plusieurs personnes sont décédées, des personnes innocentes également. Donc, cette murale-là représente cette journée-là. Puis, ici, c'est Pachamama, qui représente, c'est la mère de la nature. En fond, chaque colibri représente un hélicoptère qui était ici cette journée-là. Puis on voit aussi un tank. De façon de se rappeler cette journée-là, historique pour eux, puis d'apprendre de cet événement-là pour ne pas répéter dans le futur. Here, I just want to show you this one that we call them cremas. Especially this one is called maracumango. It's like a mix of passion fruit and mango. It's so refreshing. Actually, it's the most typical thing here. If you come to this place, you have to eat this ice cream. Okay? Plusieurs murales dans la Comuna ont été peintes par Chota 13, un jeune artiste urbain de la communauté. Après avoir survécu à la violence des années passées, il a choisi la croissance positive pour lui-même, sa famille, sa communauté et sa ville. Elephants actually are so important here in this community because elephants represent good memory. You know, elephants never forget. So the idea with the graffiti here is don't repeat the same history because again, imagine some years I was considered the most dangerous and violent city in the world. And now everything changed. The idea is don't repeat the same history, start to make something different. For that reason, you're going to see a lot of graffiti and things about elephants here. Merci Sébastien pour cette visite guidée de la Comuna 13. On a adoré. Si vous venez en Colombie, vous devez absolument venir voir la transformation de vos yeux et rencontrer ce peuple si charmant. Vous pourrez trouver le numéro de Sébastien dans la description de l'épisode. Contactez-le pour visiter la Comuna 13. Vous ne le regretterez pas. Les personnes qui habitent à Medellín sont vraiment fières de leur système métro puis câble comme ça. Tout est ultra propre. Les cable cars ont été ajoutés à leur système de transport. Ça relie tous les points centrales. Ils sont très très fiers de ce système-là. C'est une des raisons pourquoi ils ont reçu le prix comme étant la ville la plus innovatrice. Retour dans la Comuna 13 parce qu'on a vraiment adoré ça. C'est un gros highlight de notre voyage, de la Colombie en général. Puis on voulait le voir de nuit, voir que ça avait de l'air avec les lumières, tout ça va être super beau. Puis là, on a repassé devant la classe avec des professeurs bénévoles qui viennent donner des cours de langue, français, anglais, espagnol, viennent plein de cours qui se donnent ici gratuitement pour les gens, donnés par, bénévolement par des professeurs. Puis c'est justement ici que notre guide a appris à parler l'anglais. Parce qu'avant, il ne parlait pas anglais, là, puis c'est grâce à cette classe-là. Donc maintenant, il peut offrir des tours, puis ça ouvre des portes. Là. C'est super qu'il te kiffe ça. Tu ne reviens pas de brosse parce que il y a des marches partout. C'est sûr que tu te pètes la gueule. Des fois, ils sont pas larges, ils sont larges comme ça. Ouais. Puis durant notre tour aujourd'hui, on a demandé, tu sais, quand vous faites livrer une pizza ou quoi, parce qu'il n'y a pas d'adresse, là. Quand tu veux trouver l'appartement de quelqu'un, c'est après la 3e escalier, le tigre tourne à gauche après la... Tu sais, c'est tous des points de repère. Puis ils ont un point central. Quand tu reçois un colis, c'est là que ça s'en va. Puis les gens vont chercher leur colis dans la place d'accueil parce que c'est vraiment difficile
trouver ton endroit là. Même quand tu demeures là, la première semaine que tu achètes ta maison là, ou ton appart, tu dois te chercher une couple de fois avant d'y arriver du premier coup. Ouais. Tellement qu'il y a des raccoins, des marches partout, c'est vraiment cool. Il y a beaucoup de points de repère par exemple. Oui, il y a une chance, c'est ça qui aide les points de repère. C'est ce qu'il disait, ça n'arrête pas de bâtir parce que la famille, l'enfant, il grandit, il bâtit par-dessus, puis ça, l'autre bâtit par-dessus, tout le monde continue à bâtir. Là. Fait que ça grossit, ça n'arrête pas. Vraiment cool. Notre guide Sébastien nous expliquait plutôt que pour construire ces escaliers roulants-là, ils ont dû évacuer des familles. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont relocalisés. Les familles étaient super contentes parce que c'était du win-win, c'était neutre, puis ils se retrouvaient avec des maisons dans un quartier fou. Là. Hola! Ça, c'est comment c'est dangereux ici le soir. Les enfants, ils jouent. Puis... ils devraient peut-être être couchés par exemple, mais bon. Il est pas si tard, il est juste 8h20. On sent super safe. Même qu'on pensait qu'il y aurait plus de monde. C'est quand même. Les marchés. C'est quand même assez calme. Notre séjour à Medellín est déjà terminé. On s'en va à 2 heures de route. On est dans un autobus. Le processus a été ultra rapide, donc on n'a même pas pu filmer en s'en venant ici. On est arrivé à la billetterie, on a acheté un billet, puis tout de suite, ils nous ont dit oh, l'autobus part dans 10 minutes. Donc c'est parfait. Donc, on s'en va à Guatapé. On a bien hâte de vous montrer cette belle petite ville-là aussi. C'est plus petit, mais je suis sûre qu'il y a plein de trucs à faire aussi. On va aller découvrir ça avec vous autres. Parce que quand on arrive proche des postes de péage, il y a des gars qui courent après l'autobus, la porte est toujours ouverte. Puis ils arrivent avec plein de trucs, des chips, des boules de beigne, de la liqueur. Fait qu'on se fait livrer plein de trucs. Au début, en partant, il est rentré, c'était de la crème glacée. Là, c'est des chips. Puis ils courent vraiment après le boss, là, ils embarquent dedans et l'autobus, il roule. Puis après ça, évidemment, on a passé le point de péage. Fait que l'autobus ralentit un peu, mais pas beaucoup, puis ils sautent en bas. Il la mérite son argent. Là, cette fois-ci, il a embarqué à bord, puis c'est des peanuts, des bonbons. Super gentil, monsieur. Il y a plein de monde qui embarque à bord de l'autobus. On essaie d'encourager les gens. On va venir. Gracias. On vient d'arriver. Belle chambre. Tu veux celle-là? Oui. Salle de bain. Regardez ça, la vue! On est en route pour la garderie à Windy. Ça fait garder parce que aussi qu'il va arrêter de pleuvoir, on va aller faire les marches de la roche. Samy, t'es-tu prête? Ouais! À l'attaque? Ouais! La roche de Guatapé, elle s'appelle le Peignon de Guatapé. Elle est à une altitude de 2135 mètres, parce qu'on est déjà haut. La roche comme telle, elle mesure 220 mètres. La roche pèse 10 millions de tonnes. En 1940, elle a été classée comme monument national. Patrice n'a plus de linge, parce qu'il avait juste à porter un t-shirt pour 2 semaines. Parce qu'on avait juste droit à 3 sacs, dont un sac qui était le drone, le laptop que Pat apportait. Il s'est mis une paire de shorts, 2 paires de bas, 3 paires de boxers, un t-shirt avec le drone puis l'électronique. Je lave mon linge là, il est présentement en train de sécher, mais il était trop trempé pour venir un matin.
Fait que j'étais en chess en dessous de mon manteau. Pas grave. C'est pour ça que c'est son style aujourd'hui. Voyage léger. Exact. Amy, elle avait un sac, puis moi j'avais un sac des choses à Windy, du linge. Je me sacrifie toujours, moi, pour les filles. L'électronique dans mon sac. Exact. Puis Amy, elle avait son linge, puis ses livres d'école. Bueno, caballo. Más y digo. Douche, il n'y a pas de bain. Puis là, tout mon linge est mouillé. C'est pour ça que je suis habillée comme ça. J'ai plus de pantalon sèche du tout. J'ai plus de bas non plus. Pat m'a prêté ses bas en Mireno. J'ai pas de veste. Il me reste un manteau puis du linge, soit des shorts ou une robe. Puis je suis gelée. Là. Mes cheveux commencent à être sèches. Ça veut dire. On réchauffe la pièce. Là, il fait peut-être 17. Il n'y a pas de chauffage. Il n'y a même pas la possibilité de mettre de chauffage dans l'appartement, ils n'ont pas ça ici. Je retire mes paroles, j'ai pas besoin de pause, de chaud. Je veux retourner à la chaleur. En plus, Bogota, ça va être encore plus froid. Je suis à peine d'aller m'acheter une tique et des mitaines, là, tu sais. Je suis faite pour vivre dans le chaud. C'est confirmé. C'est notre dernière soirée à Guatapé. Puis on va aller essayer un restaurant, le Thai Terrace. Semble-t-il que c'est un délice. Puis on cherche un tuk-tuk. Voilà. Thank you.
Hé, hey, t'as mangé du thaï? Ouais, j'aime ça les wok thaï, ça te dérange? Bordel, tu sens le vieux tapis mouillé, et je n'ai rien dit. Ce n'est pas très poli de me sentir le popotin la première fois qu'on se rencontre, tu sais. Tu n'es pas très balèze sur les préliminaires. Je suis très précoce, désolé. Allez, je te laisse, ça cogne à la porte, je dois aller évacuer tout ça thaï. Toc toc. Qui est là? Pitaï. Pitaï qui? La torpille taille, aïe, 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 aïe! Ouh là là! Allez, je te laisse, faut que j'aille faire caca! En 2002, il y a eu une opération pour démanteler tout le... En 2002, il y a eu un... ouais, c'est ça. On vient d'acheter celle-là. Ça représente... un éléphant représente... Can you say again what the elephant represents? Sí, claro. C'est une autre des trucs innovatifs. Puis elle est à une altitude... 2135. Elle est à une altitude... Ah! Je vais juste lire. Moi, ça s'appelle des barrages. Pas des barrages, c'est des contours de faut payer, là. C'est vraiment drôle parce que quand on arrive, pousse. Statue. Pousse! On vient d'arriver! Merci également à nos commanditaires, l'équipe de Jet Set Art pour le linge et bien sûr le Sharpie sur la coque et le génois d'Atypique, les gestions familiales Maurice Inc. pour l'iPhone 12 qui nous permettra de rester en communication avec notre famille et Patricia des distributions D. Hébert pour notre dinghy Caribé!